Je suis très empressé et j'espère rentrer là-bas même à Bagada le jour-là même. Je vais voir votre visage à tout moment. Et je ne veux pas que les autres districts soient jaloux, parce que le chrétien ne doit pas être jaloux. Je vous aurais promis ce soir que quelque chose se passera et je vous donnerai un autre temps. Voyons comment les choses vont aller ce soir. Tout le monde, asseyez-vous pour la première fois. Voyez maintenant, mes filles, où êtes-vous? Vous allez vous tenir debout. Je vais vous voir. Je suis venu pour vous ce soir. Je suis venu vous donner quelque chose. Vous n'allez plus pleurer. Tous ces problèmes, tous ces défis, je vous dis ce soir, je parle à mes filles. Où sont mes filles? Quelque chose va se passer sur vous. Au dehors là-bas, vous croyez que je ne vous vois pas, je vous vois là-bas. Cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Assoyez-vous. Maintenant, face à face. Et levez-vous. Merveilleux. J'ai mes fils dans la maison ici. Les filles, c'est ici. Ici et au dehors là-bas. Je vous dis, Dieu va prendre le mouchoir du ciel pour essuyer toutes vos larmes. Votre famille ne sera plus la même. Là où vous travaillez, vous ne serez plus les mêmes. Partout, tout le monde ici, dehors, là-bas, je vous dis ce soir, c'est une nuit de changement. Les choses négatives là, vous aurez assez. Vous aurez le surplus. Tout ce que votre cœur désire ce soir, c'est la nuit de votre miracle. Si vous ne savez pas comment rire, sourire, Dieu va vous apprendre à rire après ce message. Quelque chose se passe. Si vous êtes content, pourquoi vous mettez la main au dos? Laissez la main là et relâchez-vous. Parce que quelque chose se passe sur moi ce soir. Frères et sœurs, tenez-vous debout. Nous allons commencer maintenant. Quand nous prêchons, les miracles vont se passer. Quand nous prions, les miracles vont se produire. Lorsque nous dirons le dernier Amen, quelque chose sera passé. Que je vois si votre visage croit à ce que je dis. Est-ce que vous croyez à ce que je dis? Est-ce que vous croyez à ce que je dis? Fermez les yeux et prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je te remercie ce soir. C'est un jour béni. C'est un jour merveilleux pour chaque soeur, pour chaque frère, pour chaque fille, pour chaque fils, pour nos invités. Je prie, Seigneur, que ce soir soit un soir de miracle, que ce soit un soir de puissance, un soir de libération, que tu affranchisses ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui brise le joug, l'assurance qui apporte le salut, qui apporte la guérison, apporte la délivrance, Seigneur, déverse cela sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Essuie leurs larmes, ôte leur chagrin, change toute vie. Et ceux qui sont déjà bénis, ajoute à leur bénédiction. Multiplie leur bénédiction. Que tout le monde ici, ce jour, Seigneur, je prie, qu'il n'y ait personne qui rende les mains vides. Pour les frères et sœurs, les filles et les fils partout. Et qui sont en contact avec nous. Que le miracle coule. Que l'onction coule. Que ta puissance coule à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Confirme la joie du Seigneur dans toute ta vie. Je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que le Seigneur vous bénisse et assoyez-vous. Je suis très enchanté d'être avec vous ce jour. Parce que Dieu va vous donner quelque chose. C'est votre amen, ça? Nous allons voir. Voyons. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Quand nous lisons la Bible, il y a différentes manières de lire la Bible. Un, on lit la Bible. Le Dieu Tout-Puissant envoie, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vous écrit une lettre en personne. Quand vous lisez cela, vous voyez en présence du Dieu Très-Puissant, il vous appelle et dit, viens, et dit, moi, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il te parle en personne. Faut pas dire qu'il parle à l'homme là, il parle à la femme là. Tu lis cela de cette manière. Je te donnerai les clés du royaume. Les clés qui vont ouvrir les portes. Les portes s'ouvrent devant vous. Les clés qui vont fermer les portes. Tout ce qui vient de quelque part et cela n'est pas bon, Dieu va fermer la porte contre la chose là. Et dit, il vous donne les clés. Ce sont les clés du royaume. Imaginez ce royaume, c'est un territoire. Imaginez, c'est une maison. Et la maison là a tous les trésors. Tout ce dont vous aurez besoin. Lorsque Dieu vous a créé, il savait que vous aurez besoin de ceci, de cela. Et tout est dans la chambre là qui est appelée le royaume. Mais depuis que vous êtes né, vous tapez à la porte là, vous ne pouvez pas y entrer. Et dit, viens, tu as besoin de la clé. La clé provient de moi. Et que je te donne la clé. Les clés du royaume. Et dit, avec cette clé, voici le porte-clé. Je dis, voici le porte-clé. Non, voici le passe-partout. Voici le passe-partout. C'est la clé du royaume. Dit que tout ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Tu lis la Bible comme Dieu lui-même te parle et dit, voici ce que je te donne. Lisez la Bible d'une autre manière. Lisez cela encore. Comme quelqu'un est devant vous, comme moi. Comme je vous donne la parole. Comme vous me connaissez en personne. Comme je vous connais en personne et je vous appelle. Je dis, tu as besoin de quelque chose. Ce dont tu as besoin, c'est dans la chambre là-bas. Et je dis, mon frère, viens. Viens. Ne veux-tu pas la clé? Et je te dis, je te donne la clé. Quelqu'un là-bas, vous aurez la clé ce jour. Je l'appelle. Mon frère, je ne l'appelle pas ton nom. C'est ainsi qu'on lit la Bible. Je dis, il m'a appelé. Il dit que William, viens ici. Es-tu là? Quel est votre nom? Je suis Daniel. Merveilleux, je ne sais pas. Son nom est chrétien. Christian. Je te donne la clé. La clé du royaume. Si tu dis la clé là, et tu ouvres la porte là, la clé, la chose là que tu cherches, celle dedans là-bas. Christian, il me redonne la clé. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit aujourd'hui, quelqu'un là-bas a la clé. Quelqu'un là-bas a la clé. Quelque chose vous arrivera. Imaginez. Dieu vous appelle ce jour et dit, mentionnez votre nom, et dit Daniel, et dit, je te donnerai les clés du royaume. Et puis il dit, si vous avez la clé là, tout ce que ma vie a changé, tout ce que ma destinée a changé, tout ce que ma pauvreté est partie, tout ce que la stérilité est partie, tout ce que il n'y a plus d'attaque, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous dites. Parce que je te donne les clés. J'ai reçu mes clés. J'ai obtenu les clés. Et tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que... À qui parle-t-il? Je dis, à qui parle-t-il? Et tout ce que vous déliez sur la terre, vous allez délier quelque chose ce jour. La chose-là qui vous a lié, c'est aujourd'hui que nous allons délier la chose-là. La chose-là qui a lié ta femme, c'est aujourd'hui que nous allons délier la chose-là. La chose, regardez l'enfant là. L'enfant qui est emprisonné là-bas et l'enfant en captivité, ce soir, nous allons délier l'enfant là. Et la chose là qui empêche votre promotion, votre travail, votre progrès,
et vous essayez d'aller, la porte est fermée contre vous. Dieu merci, aujourd'hui, quelqu'un là-bas. Il dit, quelqu'un là-bas, vous aurez la clé. Il dit, vous avez même déjà la clé. Vous allez ouvrir la porte là. Vous allez ouvrir la porte là. Le diable là sera lié dans votre vie. La maladie là sera guérie dans votre vie. La propriété va couler à votre vie. Quelque chose de bon vous arrivera. Votre famille va changer. Si vous vivez là où on ne peut pas appeler ma maison, vous allez en sortir. Parce que Dieu va vous donner un grand château. Quelque chose de différent dans votre vie. Cette année, je vous rappelle une fois encore, cette année sera la meilleure année que vous aurez vécue dans votre vie. Parce qu'elle a dit, je te donnerai la clé du royaume des cieux, ce que tu lieras. Vous ouvrez ici, ce que vous ouvrez sera ouvert dans les cieux. Ce que vous déliez ici sera délié dans les cieux. Sœur, tu as déjà ton miracle. Parce que Dieu viendra à toi. Nous pouvons décider cela ici. Nous pouvons finaliser ça, cela ici. Nous le disons ici, c'est confirmé au ciel. Nous l'annonçons aussi, c'est proclamé au ciel. Les anges se réjouissent à cause de vous déjà. Je vous parle ce soir du thème la clé d'autorité et de puissance du croyant. Il y a le croyant là-bas. Il y a des croyants là-bas. Il y a des croyants là-bas. Où est le croyant là-bas? Vous avez la clé là-bas. La clé d'autorité et de puissance du croyant. Lisons cela encore. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tout le monde disait, ce que, il faut dire ce que dans ma vie, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est dans mon lieu de travail, tout ce qui est dans ma famille, tout ce qui est dans ma vie spirituelle, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Matthieu 18, verset 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voyez ce mot-là, ce que-là. Cela enlève toutes les limitations. Ce n'est pas cette petite chose. Parce que votre vie va s'élargir ce soir. Votre vie va croître ce soir. Vous allez avancer ce soir. Satan n'a pas le dernier mot dans votre vie. Il faut le dire pour vous. Satan n'a pas le dernier mot dans ma vie. Satan n'a pas le dernier mot dans ma vie. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire qu'il ne faut pas me permettre. Hé! Tu n'en as-tu pas la clé? Je t'ai donné la clé. Christiane, n'as-tu pas la clé? Moi, je t'ai donné la clé. N'as-tu pas la clé? Il dit que je te donne les clés du royaume. Au lieu de t'asseoir là-bas et te plaindre, ils ne m'ont pas permis d'y entrer. Lève-toi maintenant et ouvre la porte là. Parce que ce que tu lis sur la terre dans ta vie, la chose est liée dans les cieux. Personne ne te rendra stérile. Personne ne te rendra pauvre. Personne ne peut te maudire et soit en permanence. Parce que cette malédiction ce soir-là, nous allons l'enlever. Cette affliction-là ce soir-là, nous allons l'enlever. Tout ce que tu lieras, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu veux pour toi-même, ce que tu veux, ce soir vous l'aurez. Je dis ce soir vous l'aurez. Nous allons voir trois points. Je vais voir trois points. Premier point. C'est l'onction puissante contre les démons et Satan. L'onction puissante contre les démons et Satan. C'est ce que Jésus a dit. Vous avez la clé. Vous avez la clé. S'il y a un démon, s'il y a un Satan, un esprit malin qui vous tourmente, ce soir, nous lions ce démon-là. Satan, ce soir, nous lions cet esprit mauvais. Et nous le chassons de votre vie. Et ils sont partis. Je dis, ils sont partis. Il agit dans votre tête. Nous allons chasser cela. S'ils sont dans votre ventre, nous allons les chasser. S'ils agissent partout dans votre vie, nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. L'onction puissante contre les démons et Satan. Deuxième point.
l'autorité prévalente sur les maladies et les infirmités. Les maladies vont quitter ici ce soir. Partout où la maladie se trouve, partout où la maladie se cache, nous allons ouvrir la porte, nous allons déloger tout cela de votre vie. Vous serez affranchis. Je dis, vous serez affranchis. Moi, je serai affranchi. Je dis, moi, je serai affranchi. Je dis, moi, je serai affranchi. Vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. L'autorité prévalente sur les maladies et les infirmités. Numéro 3, c'est pour vous. Je dis, ceci, c'est pour vous. L'assurance personnelle de délivrance et de salut. L'assurance personnelle. L'assurance personnelle. Vous voyez, quelqu'un a la clé. Et la voiture est là. Il a la clé dans sa main. Et comme il marche vers la voiture pour ouvrir la portière, il n'a pas de doute. Parce que c'est la clé dans sa main. La clé lui donne la confiance. C'est la clé qui lui donne l'assurance. Si vous dites, où vas-tu? Oui, je vais ici et là-bas. Pourquoi tu sais que tu iras là-bas? Non, la clé là, voici la clé. Oui, une fois que la clé là, vous allez voyager, aller partout où vous voulez aller. Vous allez avoir ce que vous voulez avoir. Parce qu'il dit que, voici la clé. Je te donne la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je crois que quelqu'un peut me déranger. Aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que la clé est dans ma main. Je dis, la clé est dans ma main. Je croyais que quelqu'un peut m'empêcher d'aller là où je veux aller, alors que la clé de la voiture n'est pas dans leur main, la clé est dans ma main. Une fois que j'ai la clé et j'arrive là-bas, les gens là se tiennent sur la route et n'ont pas la clé. Et comme ils se tiennent au bord de la route, moi j'entre et me regarde, je dis que tu vas nulle part. Je dis que j'ai la clé dans ma main et j'ouvre la portière, je ferme la clé, je mets la clé de contact. Je dis que tu ne vas pas, et je quitte là-bas. Sinon, si je quitte là, quitte devant moi. Sinon, la voiture, si je ne quitte pas là-bas, je vais démarrer et puis la voiture va les ramasser. Moi, je serai là, mais le pied sera cassé. Vous avez la clé dans votre main. Et si quelqu'un dit que tu ne vas pas aller quelque part, il faut que quitte là-bas. Parce que si tu ne quittes pas devant moi, tes pieds seront brisés. Je ne vais pas te casser les pieds, quitte là-bas parce que je vais là-bas. Je dis, moi, je vais là-bas. Je dis, je vais là-bas. Je te vois te lever déjà. Je te vois là-bas déjà. Je te vois déjà, tu vas réussir. Tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. L'assurance personnelle de délivrance et de salut. Vous êtes assuré ce soir. Vous êtes sûr ce soir. Il n'y a rien qui vous empêche. Il n'y a rien qui vous empêchera. La bénédiction va couler dans votre vie. Une pluie de bénédiction. Ce que vous nommez ce soir, ce que vous réclamez ce soir est déjà venu. C'est déjà venu. Où est-ce que cela est arrivé? Où est-ce que cela est arrivé? Cela est arrivé à vous. Numéro 1, l'onction puissante contre les démons et Satan. Revenons à ce chapitre 18, à Matthieu 18, verset 18, qui dit: je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand vous lisez la Bible, rappelez-vous qu'il faut lire la Bible comme Dieu me parle. Dieu s'adresse à moi. Et Dieu dit que je vous le dis. Il ne faut pas vous déranger de ce que les gens disent, ce à quoi ils croient, ce qu'ils ne croient pas, ce qu'ils disent. Il ne faut pas vous déranger du rêve de la semaine passée. On vous a dit dans le rêve que ceci ne vous arrive pas, vous n'aurez pas ceci. Vous ne savez pas que vous aurez la clé ce jour. Et aujourd'hui, vous avez la clé. Alors, le rêve n'importe plus. Maintenant que vous avez la clé, les choses qu'on vous a dit dans le rêve, ce que vous avez dit, ce qu'ils ont dit dans la forêt, ces choses n'importe plus. Parce que je vous donne maintenant, je te donne maintenant les clés. Et c'est la clé d'onction contre tout démon et contre Satan. Et dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Commencez à penser à ce que vous allez lier ce soir. La chose va partir. Et commencez à nommer ce que vous liez aujourd'hui, ce que vous chassez aujourd'hui, la chose va quitter votre vie.
la mauvaise chasse, la malchasse ne peut plus gratter si vous dites que ma chasse, voici la dernière nuit pour toi. Tu dis que stérilité, je ne savais pas que j'avais l'autorité. J'attends que quelqu'un vienne m'aider à te chasser. Mais maintenant, j'ai la clé ce soir. Je dis maintenant, j'ai la clé ce soir. Quelqu'un là-bas me dit, maintenant j'ai la clé ce soir. Et ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Vous n'allez plus pleurer. Vous n'allez plus verser des larmes. Il n'y a plus d'angoisse dans votre vie. Parce que ce que, tout le monde dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vais vous montrer en Luc 9, cette clé que le Seigneur a donnée. La clé. Permettez-moi de crier-moi. Clé! Qu'avez-vous ce soir? Qu'est-ce que vous possédez ce soir? Qu'est-ce que vous allez utiliser ce soir? La clé. Une fois que vous mentionnez votre problème à la fin de la réunion, Dieu merci, vos portes s'ouvrent déjà. Je rends grâce à Dieu que la prospérité vous arrivera. Le secours vous arrivera. Oubliez la radiographie parce que nous allons ouvrir la porte. Vous allez entrer dans l'aide. Vous allez entrer dans la santé au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Il leur donna force et pouvoir. C'est la clé. Il leur donna force et pouvoir. Il y a la puissance ici ce soir. Pour, avec la puissance de guérir les maladies. Leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Chapitre 10, verset 19. Luc 10, lisons le verset 17. Les 70 revinrent avec quoi? Avec déception. Avec quoi allez-vous retourner à la maison ce soir? La joie de miracle, la joie de délivrance, la joie de bénédiction, la joie de plus de bénédiction sur votre vie. Cela se passe déjà. Cela se passe déjà. La chose là qui vous a lié, c'est comme votre, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Maintenant, vous êtes déjà délié. Vous êtes déjà délié. Voyons cela. Dans ce Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils avaient la clé, le nom de Jésus-Christ. Et que même les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais qui, dites-le-moi, Satan tombé du ciel comme un éclair. Lorsqu'ils étaient sortis, Jean avait la clé, Pierre avait la clé, Matthieu avait la clé. Partout où il allait, personne n'avait dit que, ah, tu as la victoire, comment, moi je n'ai pas de victoire, toi tu as la victoire, moi je n'avais pas la victoire. Tout le monde, chacun de les 70 était de retour. Celui-ci a dit que j'avais la victoire, celui-ci que j'ai la victoire, l'autre a dit j'ai la victoire. Alors qu'est-ce qui suit? J'ai la victoire, l'autre a dit j'ai la victoire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de déception. Tout le monde est retourné avec joie. Je vois la joie là à votre visage. Je vois la joie là dans votre famille. Vous allez retourner avec joie ce soir. Et vous allez dire, mon frère, j'ai obtenu quelque chose. Mon frère, j'ai obtenu un miracle. Ma soeur, j'ai obtenu un miracle. Vous allez partager votre témoignage. Et dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, je vais te donner une plus grande clé. Ils avaient la clé, ils étaient sortis. C'est pourquoi ils avaient le succès. Verset 19. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de... Et quel pourcentage de puissance? Quelle fraction de puissance? Alors,
Pourquoi vous croyez que quelqu'un a la a de puissance quelque part qui puisse toucher votre vie, empêcher votre progrès, vous faire échouer? Cette puissance-là n'existe pas. Si vous savez que vous allez réussir, je dis à partir d'aujourd'hui que la puissance-là n'existe pas pour vous faire échouer. Quelqu'un a la puissance pour vous tuer, alors que vous avez la clé est dans votre main, la clé de longue vie. Où est la clé là? C'est dans votre main là-bas. La clé de prospérité, où est la clé là? C'est dans votre main là-bas. Et la clé d'une bonne famille, d'un bon mariage, où est la clé là? C'est la clé. Est-ce que la clé de votre famille est dans quelqu'un, dans la main de quelqu'un là-bas? Non! Je vous donne le pouvoir. Et dit, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est moi. Et rien, c'est moi. C'est moi. Quelque chose va vous arriver ce soir. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'ils ont mis quelque chose là-bas, un charbon là-bas, vous ne savez pas, vous êtes assis là-bas et que ah, on l'a pris, on l'a eu, on l'a eu. Et puis, ils vont vous regarder quand vous allez tomber. Et plus vous êtes assis là-bas, plus vous êtes fort, plus fort. Et vous ont donné quelque chose à boire, vous ne savez pas. Il dit que merci beaucoup, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous buvez la chose. Il dit que ah, on l'a eu. Oh, il va mourir, il va mourir. Le jour suivant, vous êtes venu, alors vous ne pouvez pas courir, vous commencez à courir. Il dit que ah, il est plus fort même, parce qu'il a la clé. Quelqu'un là-bas a la clé. Il dit quelqu'un là-bas a la clé. Et rien du village, rien de la forêt, rien de quelque part ne sera en mesure de vous nuire au nom de Jésus-Christ. Votre promotion vient. La promotion là va vous arriver. Vous allez vous réjouir dans cette promotion. Et vous, c'est vous qui allez me dire après, parce que je reviendrai. Je reviendrai ici. Vous allez demander la permission de me dire que je dois voir le Saint-Esprit. Vous devez me voir à la prochaine. Vous devez me voir la prochaine. Vous allez dire que, pasteur, pas d'une longue histoire, mais j'ai obtenu quelque chose le jour-là. Arrivé au bureau, pasteur, voici. Je suis arrivé à la maison, voici ceci, pasteur. Arrivé à ma famille, pasteur, voici ceci. Vous allez amener l'enfant là ici. Et même je vais porter votre enfant. Gloire à Dieu. Parce que rien ne pourra vous nuire. Parce que une grande chose va se passer dans votre vie. Une chose merveilleuse va vous arriver. Voyons, Luc 13, verset 11. Tandis qu'il parlait, y a-t-il de femmes ici? Y a-t-il une femme ici? Cela vous arrivera. Il y avait une femme qui est Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, oui, Jésus l'a vu. Le Seigneur t'a vu là où tu es là aujourd'hui. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oui, le cancer est séché, l'ulcère est guéri, les problèmes de rein, tout cela est guéri. Oui, la folie a quitté ta famille. Et lui a dit ici que, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et dites-moi ce qui suit là-bas. À l'instant, dites-moi le mot qui suit là-bas. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est vous ce soir. Numéro 1, la puissante onction contre les démons et Satan. Numéro 2, l'autorité prévalente sur les maladies et les infirmités. L'autorité prévalente sur les maladies et les infirmités. Revenons à Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez ici. Vous voyez, lorsque vous avez la clé,
Et chaque fois vous ouvrez la porte, vous ouvrez la porte. Et puis votre enfant, peut-être votre enfant est né dans la famille. Et puis 3 ans après, 4 ans, 5 ans maintenant, et vous êtes revenu de quelque part et votre enfant est là. Et chaque fois l'enfant espère que papa sort de la voiture et ouvre la porte. Et tu dis à l'enfant, et tu apprends la clé. Et tu n'as jamais fait ça, c'est la première fois que va ouvrir la porte. J'attends ici et apporte ceci, 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 ceci. Et l'enfant a pris l'enfant de 5 ans, prend la clé, il met la porte là. La porte ne connaît pas l'âge de quelqu'un. Tout ce que la clé connaît, c'est que la clé répond, la porte répond à la clé et non à l'âge et non à la maturité. Le petit enfant là met la clé, tourne la clé, boah, la porte est ouverte. Il pousse la clé et la porte est ouverte. Ce soir, moi j'ouvre la clé. Maintenant, j'ouvre les portes, maintenant c'est votre tour. La clé ne connaît pas l'âge. La clé ne connaît pas de titre. La clé ne connaît pas que tu es sur ta dent ou tu es pasteur, tu es évangéliste. C'est la clé qui importe. Et la même clé, je vous la transfère. La même clé que Jésus utilisait pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire marcher les boiteux. Et dit Pierre, regardez ce qui se passe. La même clé qu'il utilisait, c'est la clé du royaume. Il n'y a pas d'autre clé. C'est la clé du royaume. Pierre, je te donne cette clé. Moi, avoir la même clé que Jésus. C'est pourquoi, lorsque Jésus a marché sur les eaux, il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Bien sûr, tu peux venir, parce que c'est la même clé. Que si Pierre utilise la clé ce soir, cela va ouvrir la porte. Si Jean ouvre la clé ce soir, utilisez la clé, ça va ouvrir la porte. Vous voyez, si vous ouvrez la clé, si vous utilisez la clé, la porte va ouvrir, va s'ouvrir. Si ton nom est Ngozi, si tu ouvres la porte, ça va s'ouvrir. Cela vient. Cela va vous arriver au nom de Jésus Christ. Parce que il dit que je vous donne. Je vous donne à qui? Je vous donne. Je donne à qui? C'est pour vous. Cela va se passer ce soir. Et il dit, toute porte que vous ouvrez va s'ouvrir. Toute porte que vous fermez, la porte là va se fermer. Vous l'ouvrez ici sur la terre, le ciel va confirmer cela. Vous fermez cela sur la terre, le ciel va le confirmer au nom de Jésus-Christ. Ce soir, vous allez décréter. Ce soir, vous allez prononcer la bénédiction que vous voulez. Et vous allez porter la bénédiction là de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Matthieu 10. En Matthieu 10. Matthieu 10. Versets 7 et 8. Matthieu 10. Versets 7 et 8. Ici, il nous dit ce que le Seigneur lui-même dit. Il dit, maintenant, vous avez la clé. Qu'allez-vous faire avec la clé? Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Cela va se passer ce soir. Ressuscitez les morts, cela va se passer ce soir. Purifiez les lépreux, cela va se passer. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce n'est pas surprenant que Jean et Jacques allaient au temple et ils ont vu cet homme paralysé qui est assis là-bas. Tout soudain, Jean et Jacques disent, mais pourquoi avons-nous délaissé l'homme là? Nous avons la clé ici. Tout ce que nous lions ici sera lié au ciel. Ce que nous délions sera délié là-bas. Et Pierre et Jean lui avaient dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, vous avez quelque chose. Vous avez le nom de Jésus-Christ. Vous avez la puissance du Saint-Esprit. Vous avez l'autorité de la parole de Dieu. Vous avez l'onction qui brise le jour. Nous l'avons ce soir. Moi, je sais que je l'ai. Moi, je sais que je l'ai. Moi, je sais que je l'ai. Vous avez la clé. J'ai la clé. Je dis que, quelle clé nous avons utilisée? Je dis que, pasteur, utilise ta clé. Alors, je l'ouvre la clé. La clé a ouvert la porte. Je dis que, utilise ta clé pour voir si ta clé est une vraie clé ou bien une fausse clé. Alors, ma clé est authentique.
comme nous allons mentionner le nom de Jésus-Christ, le nom là va détruire les œuvres du diable. Il dit que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, pas ce qu'ils ont, je sais ce que j'ai. Moi, je sais ce que j'ai. Et que ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que cela s'est passé? Cela va se passer encore. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela s'est passé à ce temps-là. Cela va se passer aujourd'hui. En Marc 16. En Marc 16. Je lis verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici ce soir? Y a-t-il des croyants ici ce soir? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Au nom de qui? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Votre vie est sécurisée. Je dis, votre vie est sécurisée. Quand je viendrai à la prochaine, si Jésus retarde, je vous trouverai ici. Vous n'allez pas mourir avant le temps là. Vous ne pouvez pas mourir avant le temps là. Quel que soit ce qui se passe, Dieu va vous garder vivant. Je dis, Dieu va vous garder en vie. Regardez cela encore. Et dit, toute épreuve qui vous arrivera, vous allez rappeler cela. Vous allez vous rappeler cela si le diable a dit que quelque chose l'attrape, que cela ne peut pas m'attraper. Je dis, cela ne peut pas m'attraper. Parce que je vais voir encore le pasteur. Je dis, je vais encore voir le pasteur. Je ne peux pas mourir maintenant. Il faut le dire pour vous-même, non? Je ne peux pas mourir maintenant. Que les gens vous entendent. Je ne peux pas mourir maintenant. Vous n'allez pas mourir. Oui, vous serez rassasié de longs jours. Lorsque vous traversez des conditions, sachez-le que vous allez rester en vie, vous serez vivant au nom de Jésus-Christ. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Quelqu'un sera guéri ce jour et les malades seront guéris. C'est ce que le Seigneur nous dit et cela va se passer au nom de Jésus-Christ. Voir ceci. Lorsque Jésus a dit, Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il y avait un homme qui n'était pas là. Il était encore sur le champ de péché. Il était encore dans le péché là-bas. Jésus était mort. Et Jésus est ressuscité. Et au jour de la Pentecôte, l'homme n'était pas là. Et après que les gens prêchaient, l'homme même n'a pas compris. Il les persécutait. Quel était son nom? C'est Paul. Et finalement, il est venu après. Il est venu plus tard. Et lorsqu'il était arrivé plus tard, il était converti. Et je dis, ah, que c'est pituable, que c'est dommage. Si j'étais là, oh, j'aurais ceci. Mais lui aussi a reçu la clé. Il était venu après, mais il a obtenu la clé. Vous êtes venu après et vous aurez la clé. Vous êtes venu après, mais vous aurez la clé. Il y a des gens qui croient que la clé est donnée à Pierre, que la clé est donnée à Jean, que la clé est donnée à Matthieu, que maintenant, nous les restants, qu'allons-nous faire? Dieu merci, je suis venu après, mais j'ai reçu ma clé. Je suis venu après, mais j'ai obtenu ma clé. Regardez ceci. En acte 14, verset 7. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. C'était l'état dans lequel Pierre avait vu l'homme là dans le chapitre 3. Et il écoutait parler, quel est le nom? Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, dites-moi à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce qu'il avait la clé?
il avait la clé. Et vous, avez-vous la clé? Bien que vous soyez arrivé tôt, tard, vous soyez arrivé tard, la clé d'onction, la clé d'autorité est pour vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est l'onction puissante, j'ai cela. 2, c'est l'autorité prévalente, Dieu merci, j'ai cela. Numéro 3 maintenant, c'est l'assurance personnelle. L'assurance personnelle. Y a-t-il quelqu'un qui soit sur là-bas? Y a-t-il quelqu'un qui soit sur là-bas? L'assurance personnelle de délivrance et de salut. L'assurance personnelle de délivrance et de salut. En somme 91, verset 3. En somme 91. En somme 91. Et déjà, je suis sûr. Je suis sûr de ceci là-bas. Somme 91, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il le fera. Je dis, Dieu le fera. Regardez, et que c'est personnel ici. Personnel. Le salut vous arrivera. La délivrance vous arrivera. Et tout ce dont vous aurez besoin, la guérison vous arrivera au nom de Jésus-Christ. En 1 Samuel 17, en 1 Samuel 17, nous lisons verset 37. Verset 37, verset 37. Ça, c'est l'assurance personnelle. L'assurance personnelle. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il me délivrera. Il me délivrera. Êtes-vous là? Il me délivrera. Il n'y a pas de doute. Votre délivrance est pour ce soir. Votre guérison est pour ce soir. Votre salut est pour ce soir. Il me délivrera. Voyons. Deuxième Timothée 4. En deuxième Timothée 4. Deuxième Timothée 4, 18. Deuxième Timothée, chapitre 4. Nous lisons le verset 18. Deuxième Timothée 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera. Dites-le pour vous-même. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. De toute œuvre mauvaise. Y a-t-il quelque chose qui soit compté mauvais dans votre vie, dans votre corps, dans votre famille, dans votre fils, dans votre fille, dans votre mari, dans votre femme, dans votre lieu de travail? La délivrance est arrivée ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Cela vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Voici maintenant l'heure d'action. Le temps de démonstration est arrivé. C'est le temps. Vous avez la clé. Il y a un temps où nous devons utiliser la clé. Et le temps d'utiliser la clé est arrivé. Je vais utiliser la clé dans votre vie personnelle, dans votre famille et dans votre corps. Et la clé va ouvrir toute porte de progrès, toute porte de prospérité, toute porte de santé et la porte du salut. Cette porte sera ouverte au nom de Jésus-Christ. Voyons Matthieu 8. Matthieu 8, verset 5. C'est ce qui nous conduira à l'action, à la démonstration, à la délivrance et au salut dans votre vie ce jour. Matthieu chapitre 8. Nous lisons le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaüm, le Seigneur est entré dans ce lieu ce jour. Votre vie ne sera plus la même. Un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, dites-le-moi. Jésus lui dit, quoi? J'irai et je le guérirai. Il n'a jamais dit non à personne. Il y a quelqu'un qui cherche le salut, il n'a jamais dit non. Quelqu'un qui cherche la guérison, il n'a jamais dit non. Quelqu'un qui cherche la guérison, Jésus ne lui a jamais dit non. S'il va dire non, c'est pour la première fois après 2 ans. Mais il n'a jamais dit non. Après 2000 ans, il n'a jamais dit non. Ce soir, il ne vous dira pas non. Le ciel a dit oui pour votre cas. Le ciel a dit oui pour votre requête, parce que la clé est déjà là. S'il ne veut pas que vous utilisez la clé, il ne vous l'aurait pas donné. Mais il dit que je vous ai donné la clé du royaume. Tout ce que ce soir, tout ce que vous ouvrirez sera ouvert. Ce que vous faites,
murée sera fermée au nom de Jésus-Christ. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Et voyons, je viendrai et je le guérirai. Vois ce que l'homme a dit. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce soir, c'est la clé, la parole de puissance, la parole d'autorité, la parole d'onction, c'est la parole de guérison. Cela vous arrivera. C'est la parole de délivrance, cela vous atteindra. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'ai la clé avec moi ici ce jour. Je dis, j'ai la clé avec moi ici ce jour. J'ai l'onction ici, j'ai l'autorité. Au nom de Jésus, tous, quels que soient vos problèmes, quelle que soit votre maladie, le Seigneur va vous affranchir ce jour. Et puis, la clé pour entrer au royaume, tout d'abord, vous entrez en vous repentant que je vais être sauvé. Il y a le salut. Je dis, il y a le salut. Et le salut vous arrivera. Il va pardonner vos péchés, il va vous affranchir. Et puis vous pouvez dire, oui, je suis enfant du royaume. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui vient. Il y a des gens, ils viennent comme et ils vont au restaurant. Ils mangent. Après avoir mangé, ils disent gloire à Dieu. Oh, vraiment, c'est un bon restaurant. Et puis ils sortent, mais ils n'ont plus, ils n'ont pas la clé au restaurant. Ils ne peuvent pas aller à tout moment. C'est seulement un mec qu'ils ont pris. Et puis ils sont partis. Après, ils auront encore faim. Et ils vont là-bas, la porte est fermée, ils n'ont pas la clé parce que les gens ont fermé. Mais si vous êtes enfant dans la maison, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes reparti de vos péchés, vous n'allez pas seulement au restaurant et manger une fois, c'est fini, mais vous avez la clé pour vous. Vous avez la clé supplémentaire. Et dès que vous aurez un besoin, la faim, vous prenez la clé, vous entrez là-bas, vous ouvrez. Pourquoi tu es venu ici? Dis que je suis fils de la maison. Je suis venu manger. Dis que assieds-toi. Tu manges, tu sors. Tu ne laisses pas ta clé là-bas. Ta clé est dans ta poche. Quand tu as encore faim, tu retournes là-bas. Tu ouvres encore. Tu ne tapes pas. Il dit quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas. Non, non. Ben, tu ouvres la porte. Tu vas là. Pour que la porte te soit ouverte, tu dois être né de nouveau. Cela veut dire que tu es enfant du royaume. Et tu peux venir à tout moment. Beaucoup aujourd'hui, vous pouvez venir. Et quelque chose de bon vous arrivera. Quelque chose de bon vous arrivera. Vous serez sauvé. Être sauvé, c'est dire que Seigneur, je fais partie du nombre. Tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Je viens à toi. Je me détruis de mes péchés. Je prends Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Quiconque là-bas, il dit que je ne mettrai, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vous aurez le salut. Après le salut, vous verrez des portes s'ouvrir dans votre vie. Vous verrez des miracles couler à votre vie. Ce soir, c'est le soir là. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Jésus est ici. Il dit que je vais pardonner tes péchés. Je vais te donner la clé. La clé, le salut qui apporte la clé. Il veut le faire dans votre vie. Si tu veux qu'il te pardonne les péchés et change ta vie et te donne le salut maintenant, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il t'appelle maintenant. Tu dois lever ta main et il va te pardonner. Tu dois lever ta main et Christ va te pardonner. Où es-tu? Lève la main là. J'ai besoin du pardon. Que je te bénisse. C'est merveilleux. Un miracle va commencer dans ta vie maintenant. Le salut vient. Partout tu te trouves, si tu veux donner ta vie à Christ, j'ai besoin, pardon, lève ta main. J'ai besoin du salut. Je veux être enfant du royaume. Je veux être enfant du royaume. Et tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Tu vas dire, me voici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si tu lèves ta main, tu vas te mettre debout. Tu dis que je suis ici. Je suis ici. Oui, je suis ici. Oui, je suis ici. Oui, je suis ici. Faut pas perdre ton temps. Il va te donner la clé. Tu auras la confiance. Tu auras l'assurance que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Pas tu te trouves, lève-toi là-bas et lève la main là. Je crois que Jésus est mort pour moi à la croix du calvaire. Pas tu te trouves, lève-toi là-bas, au-dedans, au-dehors. Pas tu te trouves, lève-vous là-bas. Quand vous tenez debout, il faut dire au Seigneur,
je confesse mes péchés. Seigneur, je suis désolé, je suis pécheur. Il faut dire cela aux pécheurs. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu changes ma vie maintenant. Je donne ma vie à Jésus d'être mon sauveur. Il faut le dire maintenant. Il faut le dire cela maintenant. Il va le faire seul. Il va faire cela. Tu ne seras plus le même. Il faut le dire. Il faut le dire cela. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Et que ton pardon, que ton salut vienne dans ma vie. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Et à partir de ce jour, votre vie va changer. Dieu merci, cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Cela se passe maintenant. Je vais prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ces nouveaux frères et sœurs qui ont levé leurs mains et te demandent le pardon. Je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Change leur vie au nom de Jésus-Christ. Fais-les entrer dans ton royaume. Je prie, Seigneur, que tu leur péché, leur condamnation soit ôtée. Qu'ils sachent qu'ils sont sauvés ce soir. Merci parce que tu m'as exaucé. Ils sont maintenant dans ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Toujours restez debout. Les conseillers vont vous atteindre là-bas. Vont vous donner une fiche à remplir. Si vous avez fait la prière, hein, il faut toujours rester debout. Et il faut remplir la fiche là. Et il faut la retourner à ses conseillers. Quelque chose de bon vous est arrivé. Il a pardonné vos péchés. Il vous a donné le salut, une nouvelle vie à commencer dans votre vie. Conseiller, faisons cela rapidement. Et nous qui, vous qui attendez la prière ce soir, la clé. Je dis la clé. Je dis la clé. Quelque chose de bon va vous arriver. Il faut regarder la montagne là qui doit quitter. La maladie là qui doit quitter instantanément. Ce n'est pas affaire d'aller revenir. Nous allons ouvrir les portes. Et les affections, les démons seront chassés de votre vie. La maladie là sera chassée de votre vie. C'est la clé. Conseiller, on vous attend. Apprêtez-vous. Tous ceux qui sont assis, apprêtez-vous. Quelque chose doit se passer ce jour. Quelque chose doit changer. La puissance doit descendre. L'onction qui brise le joug doit se démontrer dans votre vie ce soir. Conseiller, merci, merci, merci. Redonnons les fiches au conseiller. Et que ce que les conseillers envoient les fiches au coordinateur du conseil. Est-ce que vous avez fini? Mon heure a sonné. Je dis maintenant, mon heure a sonné. Je dis, maintenant, mon heure a sonné. Y a-t-il quelqu'un qui a l'assurance personnelle là-bas? Y a-t-il quelqu'un qui est... Y a-t-il un lieu qu'on puisse voir l'assurance personnelle que la délivrance est arrivée? L'assurance personnelle que la maladie va quitter? L'assurance personnelle que ce problème, je ne vais pas la retourner, je ne vais pas retourner avec elle à la maison? Où êtes-vous? Êtes-vous sûr que votre miracle viendra? Êtes-vous sûr que la clé est ici ce soir? Jésus ne peut pas mentir. Il a dit, je vous donne la clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel.
Cette délivrance vous arrivera maintenant. Et la guérison vous arrivera maintenant. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Regardez cette maladie. C'est la dernière fois que vous verrez la maladie là. Regardez l'infirmité là. C'est le dernier soir que vous le verrez. Dès qu'on dit le dernier amen, vous allez vous examiner. Le miracle va se produire. La délivrance va arriver. La guérison va avoir lieu. La chose négative dans votre vie va changer en positif au nom de Jésus. Levez la main là. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce jour de puissance, ce jour d'onction et ce jour de la clé de puissance, la clé d'onction, la clé d'autorité. Je prie, Seigneur, que leurs portes soient ouvertes. J'ouvre les portes. Je prie, Seigneur, que la bénédiction de Dieu coule dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie sorte, que l'infirmité la sorte. Seigneur, tu nous as dit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions sur la terre est lié dans les cieux. Tu dis que si nous déclarons cela sur la terre, vous allez affirmer cela dans le ciel. Je déclare que la guérison leur soit donnée. Je déclare que la délivrance leur soit délivrée, donnée. Je te conseille, je te commande, sors de là au nom de Jésus. Asthme, sors de là au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes de reins, je vous commande, sortez de là et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Le problème au dos, je commande que la maladie, la douleur, la quitte au nom de Jésus-Christ. Le démon là qui vous tourmente, je chasse le démon au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, toute maladie au corps, vous êtes délié au nom de Jésus-Christ. Vous êtes affranchi au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les stériles. Je prie que leur enfant de miracle soit donné maintenant. Je te commande stérilité, quitte au nom de Jésus-Christ. Enfant de miracle, viens. Enfant de miracle, viens. Confirme cela dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tout jour soit brisé. La malédiction dans votre vie est ôtée. Je prie que la guérison définie que vous cherchez, maintenant à ce temps-ci, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. La délivrance d'être libéré, ce que vous cherchez, voici votre heure. Soyez affranchi. Soyez délié. Vous êtes libéré. Soyez affranchi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant que tu ouvres la porte de prospérité pour eux. Pauvreté sort de leur vie. Prospérité entre dans leur vie. Je prie que toute bonne chose qu'ils cherchent maintenant, Seigneur, affirme cela et confirme cela dans toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Frère, reçois ton miracle. Sœur, reçois ton miracle. Mon fils, ma fille, recevez votre miracle. Mon enfant, reçois ton miracle. Seigneur, je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Qu'il n'y ait personne qui quitte ici les mains vides. La clé a ouvert la porte. La bénédiction est entrée dans votre vie. La clé a fermé la porte. Et la malédiction est bannie de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu cherches tout le monde. Transforme tout le monde. Fais quelque chose de défini dans toute vie. Confirme cela dans toute vie maintenant. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre amen. Un autre amen. La clé a agi dans votre vie. Je dis la clé a agi dans votre vie. Vous ne serez plus les mêmes. J'ai obtenu quelque chose. Où êtes-vous? J'ai obtenu quelque chose. J'ai un témoignage. C'est confirmé au nom de Jésus-Christ.